Donc, oui, je voulais revenir sur les morts imminentes. La mort imminente, je trouvais bizarre le terme d'imminent, puisque imminent veut dire qui va arriver. Mais les gens, ils sont déjà. Il y a des gens qui sont déjà partis à plus ou moins longue distance spirituelle, ou je sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus, quoi? C'est sur la C'est sur la terminologie, hein, que terminologie, tu hein, voulais que tu voulais revenir. revenir. Tu C'est disais mort mort imminente, imminente, alors alors qu'en qu'en fait fait c'est c'est dans dans le le passé. passé. Enfin Enfin voilà, voilà, t'avais t'avais cette cette question-là. questionnement-là. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de ce mot-là, effectivement, mais pour les médecins, la mort n'a pas lieu si jamais le patient revient à lui. Ils arrivent à le sauver, bah, c'est qu'il n'est pas mort. Mais D'accord. effectivement, du côté spirituel, il a déjà fait, voilà, ce Un patient-là a voyage. pu faire déjà un long chemin avant de revenir. Mais pour le médical, bah, s'il le sauve, c'est qu'il n'est pas mort, quoi. Donc, D'accord. il était peut-être proche de la mort, mais finalement, il n'est pas mort. Donc le terme est juste, quoi. D'accord. Alors, il est juste sans être juste, D'accord. mais... Sinon, autre chose, moi j'ai vécu en colocation de plusieurs années et je dirais qu'il se passait, que j'ai rien vu de spécial. Et depuis que je vis seul dans un appartement, ça m'arrive assez fréquemment, si peut-être si je suis un peu fatigué ou trop longtemps sur l'ordi et très concentré, que tout d'un coup j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe, une présence qui passe derrière moi ou à côté de moi. Hier soir encore, je me suis assoupi sur le canapé et tout d'un coup j'avais l'impression que j'avais quelqu'un qui était assis à côté de moi. Et tout d'un coup, je sentais que j'étais pas tout seul. Et ça, je sais pas, est-ce que c'est des entités? Moi, j'avais une copine à l'époque qui est partie très haut dans l'ésotérisme, et puis qu'elle me disait que j'avais une cinquantaine d'entités dans ma chambre à coucher. Moi, j'ai dit, je m'excuse, je les ai pas invitées, quoi, mais bon. Puis qu'elle voyait, son fils aussi, son fils pouvait voir les auras, et qu'elle voyait des points noirs sur le mur. Puis moi, j'ai dit, mais moi, je vois pas de points noirs. Enfin, pour finir, j'étais complètement flippé, j'osais plus rentrer dans mon appartement, quoi. Mais ça, c'est des phénomènes qui sont assez extraordinaires, quoi. Donc ça voudrait dire qu'il y a des personnes où c'est des morts, parce que j'ai beaucoup rêvé de mon papa quand il est décédé. L'année suivante, plusieurs fois, je le voyais tout souriant et tout, et puis comme quand il avait 50 ans. Maintenant, je rêve plus de ça, quoi. Mais c'était toujours positif, quoi. Alors, des fois, on dit que quand on rêve des morts, c'est parce qu'ils viennent nous dire bonjour. Enfin, je ne sais pas, quoi. Alors oui, je pense que là, par exemple, donc justement, quand une personne se désincarne, hein, donc quand il y a mort, il y a plusieurs styles de mort, hein, et des fois l'âme ne veut pas partir, donc elle reste bloquée, d'accord? Et là, c'est des êtres qui sont là. Donc moi, je suis passeuse. David travaille en géobiologie. Nous, on est là pour faire passer ces âmes parce qu'elles ne veulent pas passer de l'autre côté. Soit elles ont quelque chose qui n'est pas accompli, soit elles sont mortes de mort violente. Et elles ont refusé de partir tout de suite dans la lumière, ou elles se sont accrochées au monde de l'argent ou à certaines choses. Et là, ça vient des entités problématiques comme tu pouvais avoir chez toi. D'accord? Et Oui. là, il y a des êtres qui sont là, justement, pour Essayer de les faire passer. Mais ils ne sont pas toujours d'accord de passer. Des fois, je dois pousser. C'est compliqué. Après, ces êtres, ils peuvent vraiment te déranger, ça c'est clair. S'ils vivent, si tu les ressens, est-ce que tu ressens des choses physiques ou c'est que c'est ressenti quelqu'un à côté? Tu ressens du froid, tu ressens quoi? Non, Pas du tout. je ressens une présence, mais elle n'est pas forcément complètement physique, quoi. Mais je sens un corps ou Une quelque... énergie Voilà, ouais, dans tout à une fait, quoi. possibilité. Et donc ça, c'est la différence. Donc là, il y a, si tu veux, c'est une entité qui est bloquée entre deux mondes et puis elle est là. Hein. En fait, je pense que tu vis chez elle. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui est décédé Voilà, dans de l'appartement. l'appartement, quoi. Ou D'accord. lié à un objet, hein, ça c'est possible aussi. Ou lié à toi, mais je pense pas, tu la sentirais différemment. Ensuite, toi, les rêves, c'est différent. Alors, ce que tu as eu pour les rêves, c'est là, c'est vraiment un petit coucou de ton papa, je pense, qui vient te D'accord. dire, parce que souvent,
quand je vois des êtres de l'autre côté, justement, ils sont plus jeunes, ou alors ils évoluent hein, sur un autre plan, ou ils vieillissent, c'est ça qui est bizarre. Ou alors, quand ils décèdent, qu'ils sont âgés, je les vois aussi vers 40, 50 ans, ou plus jeunes. Donc là, oui. Donc ça, c'est un petit coucou de ton papa qui veut te dire, voilà, je suis bien, ne t'inquiète pas. Et ça ne dure pas tout le temps, hein, parce qu'ils sont dans l'entre-deux. Donc ils peuvent encore communiquer avec toi sans passer par des médiums. Mais la dernière fois que j'ai rêvé de lui, par contre, c'était pas comme les autres fois. Il était pas aussi joyeux, il était même un peu anxieux, ou je sais pas, c'était bizarre, quoi. Mais il y avait juste aussi une parenthèse. Moi, j'ai vu un film, vous avez certainement vu, L'expérience interdite, de ces médecins, ces étudiants en médecine qui se plantaient une aiguille dans le cœur, puis partaient dans la mort, pour voir comment ça se passait, puis après ils réglaient leur compte avec leur passé et tout. Mais je sais pas si ça vous dit quelque chose, ce film, quoi. Oui, mais je n'ai pas l'aide de tout le film de ce côté-là. Oui, ben bien sûr, mais ça c'est beaucoup côté fantaisiste aussi. Pour en venir au film, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure, par rapport aux couleurs, lui il travaille, enfin il aime beaucoup la couleur, quoi. Et par exemple, il va nous mettre une herbe verte, puis un ciel bleu, une herbe bleue, puis un ciel vert, quoi. Et ça, c'est moi, je trouve très condensé son texte, et il faut vraiment être très concentré pour pas perdre une miette, comme suivant quel film vous regardez, comme vous regardez Inception, par exemple. Si vous n'êtes pas total ouvert tout du long, vous perdez un fil, vous ne savez plus où vous en êtes, quoi. Ah, et, oui. Mais là, on retrouve toujours les choses qui reviennent, qui nous remettent sur la voie et tout. Et ça, c'est passionnant, quoi. Et ce rôle de grand-père, je trouve attachant, parce que c'est un type qui sait comment prendre la distance avec les choses, qui est assez terre à terre quand même, si on veut, qui arrive à dédramatiser les choses, ou à... je l'emploie souvent ce terme pourtant, mais il ne me vient plus, quoi. Relativiser. Voilà, merci Laura. Il sait relativiser, enfin c'est un type qui, je trouve, qui a l'assurance, oui, mais qui est surtout bien dans sa peau et qui sait réagir à chaque problème qui peut arriver, quoi. Il sait calmer Annabelle et puis trouver les mots qu'il faut, quoi. Voilà les amours. Moi, ce qui m'intéresse, Olivier, par rapport à ce que tu disais. Alors, la première chose, c'est les rêves. Moi, c'est vrai que c'était un des points que je voulais aborder aussi aujourd'hui. Donc, c'est en fait, en quoi est-ce que les rêves, tu l'as vraiment dit, ça va, hein, c'est qu'à travers les rêves, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on dort, hein, peut-être pour le grand public, qu'est-ce qui se passe quand on dort avec notre conscience, et le fait qu'on nous envoie des images, qu'on reçoive des images, c'est un signe, c'est pas un signe, c'est une illusion, c'est pas une illusion, c'est qui, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans les rêves, déjà, il y a les rêves prémonitoires. Il y a toutes les nuits, de toute façon, tout le monde se désincarne, hein, on va tous voyager. Hein. Ben, d'ailleurs, moi, je vois souvent des gens où on me dit « Ah ben, je t'ai vu pendant la nuit » parce que souvent, une partie de moi va travailler la nuit. Ensuite, on peut avoir des rêves qui sont une soucoupe un peu d'évasion, justement, pour le côté psychologique, hein, parce qu'on a vécu des choses difficiles. Voilà, donc on peut avoir des rêves qui sont n'importe quoi, qui sont de notre vécu. Ensuite, le rêve prémonitoire, ou quand je voyage, ou quand j'ai quelque chose de très puissant, c'est très fort. Je ne suis pas là, je le vis réellement. Je suis dans cet autre monde, je suis à parler avec des entités, je reconnais. Et c'est toujours un temps différent. C'est toujours pour moi entre 4h et 6h du matin. Ça, c'est pour moi toujours des rêves aussi très puissants, très prémonitoires, avant pas. Donc, je pense que c'est mon moment, hein, avec les ondes cérébrales, où je suis le plus profond. Donc là, après, oui, là, je peux discuter avec des êtres chers, je peux discuter, j'ai des messages, hein, j'ai beaucoup aussi de messages avec des amis, des patients à moi, où je dois leur dire certaines choses, où on passe par moi pour leur faire attention. Là, il y a une période qui va être compliquée pour elle, parce qu'elle n'a pas pu recevoir ce rêve, où elle ne l'aurait pas compris, donc ça passe par moi.
Et là aussi, ben, y a toute chose qui peut venir. Là, il peut venir des animaux, il peut venir, je peux avoir des informations de différentes manières qui sont aussi fantaisistes, mais qui ont quand même, si tu veux, une... je ne veux pas dire une synchronicité, mais oui, il y a quelque chose à chercher derrière. Des fois, c'est la part de rêve, hein, où c'est vraiment fantaisiste, mais je dois chercher. Mais je sais, je connais bien mes rêves. Ou parfois, ben, c'est des rêves qui sont vraiment, où je suis vraiment sur des lignes de temps qui n'existent plus après. Hein, ça, c'est vraiment dans nos dimensions, où je vais voir dans le futur, et là, je peux vraiment voir ce qui se passe. Donc, c'est toujours différent pour moi. Mais les animaux, oui, ils peuvent revenir, c'est des messagers dans les rêves. Oui. Mais vous êtes dans des mondes parallèles, c'est ça, quoi. Oui, on peut être dans des mondes parallèles ou on peut être dans des dimensions plus élevées. D'accord. Je vais finir avec une anecdote d'un ami qui était en moto avec sa femme et ils ont eu un accident et sa femme est décédée. Et après coup, il a appris qu'il avait été doublé par un autre et donc il était très en colère. Et puis, il avait été voir la Perchette. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Perchette. C'est une médium aussi. Elle a un certain âge. Elle vit sur Suisse, quoi. Et elle lui a dit, mais il faut que tu ailles lui pardonner parce que tant que tu ne lui pardonnes pas, elle va pas partir dans la lumière, quoi. Et donc, il a fini par il était là, sur la tombe, il a pardonné et elle a pu être libérée, quoi. Merci infiniment, hein. Je passe la place au suivant. Christelle, tu voulais rebondir sur quelque chose concernant les rêves, j'ai vu que tu... Ça te parlait. Ouais, oui, les rêves, oui. Alors, ouais, ça me parle. Oui, effectivement, ça me parle. Enfin, c'est très intriguant parce que quand j'étais enfant, par exemple, je rêvais très peu. Lorsque je rêvais, c'était des cauchemars. Enfin, on rêve toutes les nuits, on s'en souvient pas ce qu'on dit. Enfin, voilà, j'ai pas la partie la plus. J'ai pas beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Et c'est vrai que par contre, chaque fois que je rêvais, c'était vraiment... c'était jamais très bon. C'était vraiment des cauchemars. Et souvent, c'était prémonitoire, effectivement. Alors là, est-ce que c'est vraiment... Voilà, est-ce qu'on nous parle? Est-ce qu'on nous guide? Est-ce que c'est vraiment des choses qui, vu qu'on est tous connectés, qu'on sent tout simplement? Donc, il y a ça que je trouve assez intriguant. Et après, une fois adulte, je ne rêve ou ne fais plus vraiment de cauchemars, je m'en souviens plus, en tout cas. Jusqu'à 2020, quand je suis revenue en Suisse, j'étais à l'étranger, et depuis 2020, donc depuis tout ce qu'on sait, enfin, ce qui est en train de se passer depuis mars 2020, janvier 2020, ça fait 2 ans, après j'ai entrepris un travail aussi à Cashman, hein, ça fait 2 ans que je fais énormément de rêves. Mais c'est différent, déjà, c'est plus des cauchemars. Et c'est différent, je sens que c'est vraiment comme des guides, et je rêve beaucoup, c'est impressionnant. Et, enfin, j'ai jamais autant rêvé, je pense que les 2 dernières années, j'ai rêvé plus que toute ma vie, voilà. Et je trouve ça très intriguant, en fait Sarah, quand elle, vraiment elle dit, il y a plusieurs types, donc il y a le prémonitoire, après il y a la décharge émotionnelle, je pense, enfin, voilà, et enfin, du coup ça me... Oui, ça m'intrigue. Enfin, je sais pas, Sarah, ce que du coup tu en penses. On rêve de toute façon toutes les nuits. Il peut y avoir un problème aussi sur les ondes cérébrales et une insuffisance hormonale ou bien l'épiphyse ou l'hypophyse qui part un peu en live et on ne se rappelle pas de nos rêves. Mais on rêve tout le temps. Hein. Parce que sinon, on ne pourrait pas évacuer les charges émotionnelles, on ne pourrait pas évacuer. Voilà. Ensuite, dans les 3 dernières années, on change de paramètres, hein, énergétiques sur la Terre. Donc, énormément de gens qui ne rêvaient pas avant rêvent énormément. Et on peut rêver sur des lignes de temps parce qu'on va justement se nettoyer sur les extensions, sur ce qui est karmique, sur ce que vous avez vécu dans d'autres vies ou même dans cette vie. Donc, il y a un énorme nettoyage qui se fait parce que le mental passe à un autre niveau.
D'accord? Voilà, on arrive sur des lignes un peu compliquées. Et justement, énormément d'épurations se font par les rêves. Alors, certains les ont par les rêves, d'autres les ont dans des ressentis. Mais les rêves interviennent. Comme j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais c'est bizarre, j'aurais beaucoup d'extraterrestres pour venir. C'est parce qu'ils ont vécu sur certaines vies des guerres intergalactiques. Et justement, il y a un nettoyage qui se fait sur un champ énergétique beaucoup plus vaste. Voilà, c'est ce que tu vis en ce moment, en tout cas dans les deux dernières années. Et bien sûr, après, ben, si tu as déjà des ouvertures, on va dire, sur tes dons, et ben voilà, après, tu auras plus de rêves prémonitoires. On va dire que la matrice, si tu veux, on change de matrice, hein, donc énergétique, donc tu vas avoir plus de connexion à ton toi supérieur. Il n'y aura plus, donc, à ton cœur. Hein, et le cœur vibral est en train de s'ouvrir. Donc là, ben oui, tes connexions, tu retrouves qui tu es vraiment et toutes tes expériences. Donc après, quand il y a du nettoyage qui se fait, les expériences arrivent de plus en plus grandes. Mais du coup, est-ce que tu voudrais dire que quand tu es enfant, enfin, parce que je, enfin, là, ça me, je me dis que quand on est enfant, on se souvient, enfin, se souvient où on rêve plus, où on est plus connecté, parce qu'il y a un point de filtre. On a, bah, c'est un enfant, on est plus, il y a moins de filtres, il y a moins toutes ces, voilà, on est pur par rapport à quand on devient adulte. Et je sais pas si, bah, du coup, c'est oui, une explication aussi. Quand on est enfant, beaucoup de personnes, quand ils sont enfants, font des expériences, hein, que ce soit par les rêves, que ce soit par des contacts, hein, avec le petit peuple, comme j'appelle les elfes ou des choses comme ça. Où ils voient des auras, tout ça, mais pour un enfant, voilà, c'est normal, il ne va pas se poser de questions. Jusqu'à quand il va dire, oui, mais j'ai eu ça, puis on va dire, mais non, mais t'as rêvé, mais non, il est dans son monde imaginaire. Et on va te mettre dans une structure totalement humaine, où on va dire, non, non, dis-toi, tu vas oublier. Et puis à un moment donné, la perception de l'enfant, ben voilà, elle disparaît, parce qu'elle est justement trop imbriquée dans les systèmes, que ce soit le système de l'école, le système de la religion, hein. Attention, hein, donc on perd certaines capacités et quand on grandit, mais on a tous des capacités quand on est enfant. Ouais. Parce qu'en tant qu'enfant aussi, on est plus dans le ressenti, finalement. Puis on est plus pur, on se pose même pas de questions, il y a un truc qui arrive, ça arrive. Je me posais pas de questions, c'est quand les adultes m'ont dit « mais qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi tu me dis ça ?» Je me suis dit « pourquoi ils me posent ça comme question ?» je me suis dit, pas tout le monde voit ça, pas tout le monde sait ça. Donc, je me suis dit, là, je me suis repris une claque. Pour moi, c'était normal. Dans beaucoup d'enfants, c'est une normalité de voir des choses. On nous dit, mais pourquoi ou, puis, je me suis dit, waouh, pourquoi on me dit ça, quoi. Ça, c'est un truc bizarre. Là. Pour moi, vu que je suis une éveillée depuis l'âge de 3 ans, hein, où je me suis dit, merde, je suis revenue sur cette planète, il y a un truc que, j'ai vraiment eu du mal à comprendre, c'était le système de l'argent. Mais pas comme un enfant peut le comprendre. Je venais d'une planète où je me suis dit, mince, je suis descendue là-bas. J'étais fâchée, mais très fâchée. Et il y a des concepts comme la jalousie, que j'avais énormément de mal, ne pas tout partager. J'avais énormément de mal. On me disait, ma grand-mère me disait, non, mais tu ne peux pas tout donner. Arrête. Puis je la regardais, puis je me disais, mais dans mon monde, ça, c'est comme ça. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Donc pour moi, mon enfant, ça a été une grande claque, je dois dire. J'ai souffert de certains paramètres de redescendre si bas. Ok. Est-ce que j'ose rebondir sur quelque chose dit auparavant par rapport à. Je reviens. Effectivement, enfin, comme elle disait très bien Luce, personnel, universel. On est rien et on est tout. Et je pense que, ben, que ce soit en thérapie, que ce soit dans tout, c'est que des co-créations. C'est des co-créations, donc ça représente bien le tout. Et je fais un petit peu lien sur, sur les esprits animaux et en revenant un tout petit peu aussi sur le papillon. On parlait de synchronicité. Effectivement, il y a aussi des synchronicités qui nous rend attentifs. Auparavant, par exemple, le papillon, on m'aurait pas, ou j'en ai peut-être jamais vu, mais j'ai eu quelques indicateurs quelques jours avant, qui m'ont, je sais pas, une ancienne chef, qui pour moi n'était pas du tout spirituelle, qui commence à me parler d'une histoire très spécifique par rapport à un papillon. Donc peut-être, par rapport au fil ramené, enfin, c'est des éléments qui peuvent être ramenés, donc animal, mais qui peuvent être ramenés sous plusieurs formes. On parle de la radio,
une musique avec, je sais pas, avec, tiens, j'entends que le mot papillon à la radio aujourd'hui, pourquoi? Enfin, il y a tellement de moyens divers de communiquer, d'avoir des messages, enfin voilà, quand on est tous connectés et d'amener peut-être, en fait, des petites pièces, qu'elles peuvent être... Je sais pas, l'autre fois j'ai tiré une carte de tarot et tiens, un éléphant, ça m'est jamais arrivé de tirer cette carte. Mais le lendemain, je sais pas, j'ai un immense reportage sur... Enfin, voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent être apportées sous plusieurs formes. Et finalement, on arrive toujours au même chemin, c'est qu'on est guidé et qu'on est tous liés et que consciemment, inconsciemment, à plusieurs niveaux. Et... enfin voilà, là je me perds un peu, mais enfin, si ça vous apporte quelque chose, enfin, si ça peut apporter un peu une vision. Par rapport au film, hein, tout à fait, ouais. Ça, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que Christophe, après, il pourrait éventuellement, dans sa narration ou sa dramaturgie, faire réapparaître des synchronicités ou des signes comme ça de la voilà, vie. Des petits coup, toi, je pense que le reportage d'éléphant, tu te serais pas dit, waouh, un truc avec les éléphants, si t'avais pas tiré la carte de ta mort. Donc. En fait, c'est la répétition peut-être voilà. Dans la dramaturgie qui va faire que tout d'un coup, on va éveiller le spectateur sur un point particulier, qu'on va lui dire là, il y a qu'est-ce qui se passe. Voilà, pas forcément que l'image, comme on parlait avant, dans la pupille. Enfin, voilà, c'est aussi faire un zoom sur à chaque fois ces espèces de synchronicités qui seront en lien par rapport peut-être, je sais pas moi, à l'animal spécifique. Et puis du coup, quand tu parlais de l'éveil, en fait, de la belle curiosité, synchronicité aussi, et de cet éveil. Donc, voilà. Merci. Absolument, les synchronicités sont importantes dans mon projet, parce que c'est un des éléments de communication des esprits à... avec nous, et je vais en utiliser plein. Et ce qui est intéressant dans cette proposition de Bel Esprit, c'est que je vais montrer auparavant les intentions des esprits qui veulent déclencher ces synchronicités, et ce qui fait que le spectateur, de nouveau au niveau du scénario, j'utilise les termes de d'Yves Lavandier, je recommande d'ailleurs à tous ceux qui veulent découvrir la dramaturgie et comment construire un récit, de se plonger dans la dramaturgie, le livre d'Yves Lavandier qui a été essentiel pour moi pour bien maîtriser le scénario. Et donc, un élément original, je ne sais pas si vous en avez déjà vu dans les films, c'est que moi, je vais montrer du côté des esprits qu'ils veulent déclencher quelque chose. Donc, le spectateur va se dire « Ah oui, tiens, nous, on sait ça, le spectateur va avoir des informations, et ensuite va voir Annabelle, qui au début du film va passer à côté, et puis ensuite va commencer à s'apercevoir que dans ses synchronicités, en plus qu'elle adore, puisqu'elle adore Jung, qu'elle adore ce principe, elle va s'éveiller, se réveiller, et voir la signification de ses synchronicités. Donc ça, c'est du... c'est du pain béni pour la réalisation. Et je rebondirai juste sur un élément dont on a discuté tout à l'heure avec Olivier, qui est le spectaculaire. D'un côté, moi, j'ai un petit film dans lequel je vais... je pourrais montrer à un moment, éventuellement, un deuxième soleil dans le ciel. C'est relativement faisable. On filme un soleil, on filme un autre avec le même ciel, et on peut rajouter un deuxième un soleil. Par exemple, à la fin du film, après avoir passé dans le Nouveau Monde. Mais par contre, moi, je ne vais pas pouvoir faire de surenchère d'effets spéciaux. Donc, j'arrive à un point qui est hyper intéressant pour ce développement du... Ce qu'il y a très important dans un film, comme tu veux faire, c'est le suspense. Parce qu'il y a plein de films, comme tu peux voir le film d'Alan Kardec, il est passé sur Netflix aux Pays-Bas, mais je crois qu'il n'est pas passé en France, où là, il y a
pratiquement aucun effet spéciaux. Et je suis restée crochée au film du début à la fin parce que justement, tu veux savoir. Donc, il faut rester aussi sur cette ligne de suspense, tu vois, ça doit toujours bouger. Il ne faut pas qu'il y ait des moments où il faut qu'il y ait cette, où tu as le spectateur, je pense, qui veut savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est. Et des fois, ben, tu n'as pas besoin d'effets spéciaux. Ben, j'ai déjà vu plusieurs films qui ont de très petits effets spéciaux et je suis à fond dedans. Hein. Ben, c'est ça, c'est exactement ça, c'est le but. Alors, je ne t'ai pas envoyé la V4 du traitement, toi, tu as lu la V3. Oui. Alors excuse-moi, je vais le faire. Et là, tu me diras justement ce que tu en penses, puisque là, ben, je vais vous montrer un petit peu ce que ça représente juste au niveau de la création d'un scénario. C'est que j'ai plein d'éléments. Et là, par exemple, ben, j'ai le scène à scène. Donc c'est les scènes les unes après les autres avec les actes et puis ben il y a des coups de théâtre, il y a des ce qu'on appelle des incidents déclencheurs, il y a tout un tas d'éléments et donc Bel Esprit il est construit avec des éléments tout le temps qui arrivent. Tu disais du suspense, justement comme quand le spectateur sait que les esprits vont agir et qu'ils vont agir de manière, il s'attend à savoir ce que c'est. Et ensuite, pouf, il découvre ce que c'est. Mais au moment où il découvre, il y a déjà un autre élément qui a été donné qui dit au spectateur, ah, mais en plus, il y a la petite chienne qui est en train de communiquer avec les esprits. Donc, ça veut dire que les esprits vont agir sur la petite chienne pour qu'elle fasse quelque chose. C'est quoi? Et donc, paf, 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 paf. C'est justement la dramaturgie. C'est la grande, 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 grande force du scénario, c'est qu'on peut tenir le spectateur en haleine tout au long du film sans grands effets spéciaux, mais surtout parce que lui se pose des questions et on doit toujours y répondre. Hein, c'est quelque chose de très important. Yves Lavandier dit spectateur, je tiens compte de vous. Donc, on fait un pacte avec, hein, le spectateur vient et a payé sa place. Donc, quand on lui fait une promesse, eh ben, on la tient. Et on passe de promesse en promesse, d'intrigue à information, d'ironie dramatique. Tout d'un coup, par exemple, vous allez découvrir dans Bel Esprit que le père, qui lui a décidé qu'il devait reconquérir l'amour de sa fille, ben il va utiliser tous les moyens pour ça. Et il va aller jusqu'à l'espionner. Nouveau spoiler. Quand il espionne sa fille, c'est pas terrible de faire appel à une pirate pour pouvoir pirater sa caméra, parce qu'il a besoin d'informations, parce qu'il veut faire tout un tas de petites vidéos pour amener sa fille, parce qu'il doit y aller pas à pas, puisqu'elle le déteste. Donc il discute avec sa scénariste, qui, je l'espère, sera jouée par Audrey Fleurot, sa scénariste qui dit bah, « Moi, j'ai besoin d'infos, j'ai besoin de connaître Annabelle. » Donc le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va espionner sa fille. À partir du moment où le père espionne sa fille, non seulement le spectateur ressent une valeur morale, c'est pas bien, quoi. Alors il va jouer en disant « Ah oui, au moment où elle se déshabille, je cache la caméra, puis surtout il cachera les yeux de la petite Auréa, parce que Auréa, en fin de compte, la petite chienne va venir à lui, comme ça permettra aux esprits d'interagir dessus. » Donc ce genre d'éléments, le fait que le spectateur sache que le père espionne sa fille, il va forcément se dire à un moment, mais on va voir qu'un jour, à un moment dans le film, la fille, elle va découvrir que son père l'a espionné. Et déjà qu'elle ne l'aime pas trop, eh ben, ça va arriver. Et donc, c'est ce genre d'éléments qui font que je vais pouvoir vraiment tenir le spectateur tout en faisant un film très, très fantastique avec assez peu d'effets spéciaux. Mais je pense que j'invite... J'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Samarcande. J'invite aussi tous les gens qui nous regardent à aller voir pour découvrir mon univers, les différents courts-métrages que j'ai pu faire. Et dans Samarcande, avec des petits moyens, puisque c'était
c'était un court-métrage avec des moyens restreints. Ben, j'ai réussi à faire tout un tas d'effets spéciaux, mais seulement quand ils sont indispensables. C'est pas du spectaculaire pour en mettre plein la vue. Non, c'est des éléments comme par exemple Olivier me disait, ah oui, tu mets dans ton traitement que dans le monde des esprits, le ciel est vert et puis l'herbe est bleue. Ça, c'est des choses très faciles à faire en post-production. Mais pourquoi j'ai écrit ça simplement? C'est pour que dès le départ, quand déjà au niveau du scénario, le scénario qui est indispensable, l'écriture pour faire comprendre aux gens l'univers, puis ensuite pour aller chercher le financement, et ben avec cet élément tout simple de montrer qu'on est dans un autre monde, le ciel est vert et l'herbe est bleue. Il n'y a rien besoin de dire, on ne va pas mettre un sous-titre pour dire dans le monde des esprits, dans l'au-delà et tout. Non, on doit le montrer par l'image. Et c'est ça mon défi et mon envie. Super, merci Christophe. Je vous propose maintenant qu'on fasse un petit tour de table pour rebondir sur ce qui a déjà été dit et puis pour clore cette création participative. Alors peut-être David, déjà tout à l'heure tu voulais dire quelque chose, est-ce que tu veux commencer? J'aimerais revenir sur les synchronicités parce que Romuald Le Terrier avait parlé des synchronicités et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Entre le passé, le futur, etc. Et il nous avait raconté une petite histoire, c'est qu'il essayait de définir comment les synchronicités pouvaient arriver. Et par exemple, il avait trois boîtes devant lui. Dans une boîte, il y avait justement des animaux, dans une autre boîte, des archétypes, et dans la troisième boîte, qui était vide, voilà, elle allait accueillir deux informations. Donc, dans la première boîte, il tire un animal, la première fois, il tire un rat, et puis dans l'autre boîte, il tire un diamant. Et il met Un cristal. un cristal et il met ces deux informations dans la troisième boîte, et puis il oublie, et il laisse passer le temps, voilà, et puis il branche la télé un jour, il se trompe sur la télécommande, hop, c'est une chaîne de dessins animés pour enfants, et hop, on voit en fait un rat avec le cristal au-dessus, et donc phénomène de sidération, et voilà. Exactement, Et David, parce que Sarah m'a introduit vers Romuald Le Terrier. J'espère que ce sera ce sera un de nos prochains intervenants. J'ai déjà discuté avec lui et il est hyper partant pour qu'on fasse des exercices de rétrocausalité tous ensemble. Donc en effet, c'est un jeu vidéo dans lequel il y a un rat géant qui a sur le dos des épines comme un hérisson qui sont faites de cristal. ce qui était marrant, c'est qu'il nous a dit, le phénomène de sidération est super important. Parce que lorsqu'on est en phénomène de sidération, c'est là en fait où l'information repart dans le passé. Et donc, il dit, au moment où j'ai tiré, par exemple, le rat et le cristal, je ne pouvais que tirer ça. Parce que j'étais réinformé par le futur. Donc, Exactement, c'est le principe de la rétrocausalité et je me suis empressé. Merci encore, Sarah. Vas-y, continue. et ce qui m'a encore plus, c'est donc il a répété plusieurs fois. Et il y a une fois, il nous a fait rire. Il dit par exemple, je partais en vacances et il dit et j'avais tiré l'océan et un lama. Alors il dit. Tranquille, il dit, je me suis, je pars à l'océan, donc l'océan c'est bon, je vais l'avoir. Et il dit, et le lama, ben, il suffira que je voie un cirque, et j'aurai mon lama et l'océan, tranquille. Et donc il part, et pendant toutes ses vacances, il cherche le cirque, il cherche le cirque, pas de cirque, pas de cirque, pas de cirque. Bon. Et donc à la fin, il dit, bon, bah, cette fois ça n'a pas marché, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas marché. Voilà. Et le dernier jour, il se promène sur la plage. Et quand il enfonce le pied dans le sable, il sent quelque chose qui le gêne. Il dit, tiens, c'est quoi? Et il sort un cristal de roche. Il dit, tiens, c'est chouette. Il le met donc au soleil. Donc derrière, il y a l'océan. Et dans le cristal de roche, il voit la figure dans la main. Et là, même chose, c'est voilà, c'est la sidération. Mais ce qu'il nous a expliqué, il dit, pourquoi ça avait bien marché les fois d'avant et pourquoi ça n'a pas marché là? Parce qu'il dit, j'ai pas lâché prise.
C'est-à-dire que j'étais tellement obnubilé par le fait de vouloir trouver un cirque avec mon lama pour que ça marche, et ben c'est justement comme ça que ça ne marche pas. Et il a dit, c'est justement quand on laisse la place à rien, voilà, que ça peut fonctionner. Exactement. Il dit aussi également, c'est quand on laisse la place à l'information de venir à nous. C'est-à-dire que quand on est dans le mental, notre ego mental, tout d'un coup, c'est comme si on passait à une bande passante, et puis on est en train de juste de regarder les choses avec un laser, et on n'a pas notre champ de conscience qui est ouvert. C'est absolument passionnant, et c'est pour ça que j'ai choisi la rétrocausalité comme moyen que Annabelle va choisir pour pouvoir agir. Et son intention est de faire venir une gouvernance bienveillante. Ok. Merci David. Est-ce que tu voulais conclure ou c'était ton mot de fin? Conclure, je ne sais pas, maintenant le gros boulot est à Christophe pour essayer de mettre tout ça en image, et ce qui est soit d'être si simple, mais je lui fais confiance pour par rapport à toutes les informations qu'on a pu dire, pour essayer de retranscrire ça au cinéma. Et je pense que ce sera bien fait, le connaissant. Voilà. Sois-en certain. Je m'y engage. Gros job à faire, mais c'est des. Entre du ressenti et le faire passer à l'écran, c'est pas forcément. Enfin, je suppose que c'est pas si simple que ça. C'est vraiment. Finalement, c'est pas très très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de faire un bon scénario pour que déjà on sache qu'est-ce qu'on veut dire, comment ça se passe, comment les personnages ressentent. Tu as dit la synchronicité, comment la personne aura été sensibilisée pour sensibiliser le spectateur. Donc c'est tout un travail de préparation et de paiement. Le spectateur, on prépare et ensuite on vient montrer cette réaction et le spectateur aura été préparé. Donc il vivra l'instant et comprendra ça. Ouais. Super. Et je suis très content que tu fasses un film comme ça là-dessus, sur Bel Esprit, parce que je trouve que tous ces films-là sont des films d'éveil pour le monde, et on en a bien besoin. Et donc tout ce qui peut éveiller, on va dire, la masse, c'est toujours la bienvenue. Comme des films comme Avatar ou des choses comme ça, c'est vrai que ça... Voilà, ça percute quand même beaucoup de monde, et même si on pense que c'est de l'ordre de l'extraordinaire, du rêve, du fantastique, en fait, ça vient vraiment imprimer le subconscient et l'inconscient, et c'est bien pour la suite. Exactement, ça participe. Moi, j'ai l'impression que ça envoie de l'énergie, puis ça aide chacun à pouvoir vibrer haut et à monter petit à petit dans les différents niveaux d'énergie. Par exemple, il y a un film qui m'a vraiment marqué, c'est Matrix. Je trouve que, voilà, il y a des films comme ça, c'est révélateur du changement. Absolument, bah, je pense que ça permettra à Sarah de rebondir sur son mot de fin. Merci David. Ah ben moi, hyper contente que tu crées ce que tu dois créer, parce que justement ça ouvrira beaucoup de portes à certaines personnes, parce que le gros souci, c'est que des films comme Matrix, Avatar, beaucoup de gens ne sont pas attirés, parce que c'est trop justement, trop américain, trop gros budget. Et justement, par des réalisateurs à petit budget, tu vas toucher d'autres personnes qui ne regarderont pas ces films. Et ça, c'est très important. Où il y a du plus vrai, où c'est plus sur l'émotion, c'est plus sur l'amour. Donc, tu vas faire vibrer toutes ces choses-là et tu vas toucher un autre public. Et ça, c'est très, très important. Et je suis très, très heureuse de rencontrer toutes ces belles âmes qui sont tout autour de toi, là, et chacune emmène son petit
son petit, comment dire, son petit puzzle, hein, édifice, pour justement t'aider à créer. Et puis, on est là dans l'amour, tous, et c'est ça qui est le plus important dans cette osmose. Et je pense que tu vas recevoir énormément d'énergie de l'autre côté. Donc, à fond, vas-y, continue. Et puis, je suis très, très heureuse de tout ça, cette création, vraiment. Super, merci beaucoup. Merci. Anne. C'est tout bon. Luce. Est-ce que tu veux nous donner un mot, une conclusion? Une conclusion, ça, je... Un petit mot de fin. Un petit mot de la fin. Tu aimerais rebondir sur quelque chose qui a été dit? Oui, ce que Sarah a dit quand elle est partie dans des plans très élevés, c'est qu'elle n'avait plus envie de redescendre. Et moi, j'aimerais lui dire que j'ai vécu absolument la même chose, dans le sens que j'ai eu une encéphalite à 31 ans et j'ai quitté mon corps. Et là, on m'a reçue. C'était plein d'amour, je voyais pas, mais j'entendais, c'était plein d'amour. Et c'était tellement bien que j'ai dit, je veux pas redescendre, alors que j'adorais la vie. Mais j'ai pas du tout envie de redescendre, c'est trop beau cet amour. Et on m'a dit, non, on peut pas vous garder parce que vous n'avez pas fini votre chemin de vie. Je dis, ah bon, j'ai un chemin de vie? Me dit, oui. Donc on a tous un chemin de vie, dans le fond. Et ce chemin de vie, c'était l'unité et l'amour. Et j'ai découvert, j'ai perçu ça, justement, grâce à toutes ces recherches que j'ai faites, qui était cette énergie une et qui est une énergie d'amour. Dans ce sens-là, la Kabbale m'a beaucoup aidée aussi à comprendre tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Qu'on n'est jamais seul, qu'on a toujours des guides, que ce soit des animaux ou des êtres humains, ou des plantes. On n'est jamais, jamais seul. Et cette énergie une, d'après ce que j'ai compris à travers la Kabbale, elle descend selon quatre plans. Le premier plan, l'énergie est parfaite. C'est l'énergie des archétypes. Le deuxième plan, c'est le plan de la création, où l'énergie est encore pure. Le troisième plan, et c'est ce plan de formation où on doit beaucoup, beaucoup travailler pour se purifier, comme vous disiez, se purifier, et pour arriver à trouver ce qui est inscrit au plus profond de notre cœur. Et quand on a, parce que dans ce plan-là, il y a de tout. Donc, on peut en effet, selon son libre arbitre, prendre plutôt tel bois plutôt que tel autre. Et le quatrième plan, c'est le plan terrestre, où ce qui est pur dans l'archétype doit arriver dans le plan terrestre. C'est dans ce sens-là qu'on a beaucoup, beaucoup à travailler pour arriver à ce dévoilement. Et puis, une dernière chose que j'aimerais dire, donc, tout ce qui est en haut est en bas, et tout se tient, comme vous l'avez très bien dit. Et dans le fond, l'échelle de Jacob, où on voit Jacob rêver, et il rêve de cette échelle entre le ciel et la terre, où il y a dans le fond tous ces anges, enfin tous ces personnages, qui sont en relation avec le haut et le bas, etc. Et dans le fond, on a à voir cette échelle de Jacob, et puis en fonction du travail et de la grâce qu'on peut recevoir, eh ben on va communiquer avec le ciel et on va amener le ciel sur la terre, que la terre devienne bleue, comme le ciel. Voilà, je crois que parmi les guides, il y a vraiment tous ces animaux. Tout peut être une interprétation, tout peut être quelque chose que l'on reçoit. Si on s'ouvre, c'est toujours la même chose. Si on se dévoile. Merci beaucoup, Luce. Alors, je voulais remercier
toute l'assistance pour votre présence, votre acuité, concentration et passion. Et on se réjouit le début du tournage. Hein, on vous tient au courant. Voilà. Ah oui, Sarah dit, on va venir voir. Alors, c'est clair. Vous serez tous invités sur le tournage. Super. Alors, petit mot de la fin. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être resté 4 heures de temps presque connecté, d'avoir partagé aussi vos expériences, mais votre savoir. Et c'était très constructif. Je crois que Christophe repart avec plein de matières aussi. Génial. Et nous aussi, en tant que personne, en tant qu'artiste, moi personnellement, je repars aussi avec énormément de matières. Et donc, je vous remercie du fond du cœur pour ça. Et je me réjouis de vous rencontrer de manière plus approfondie à la prochaine occasion. Je m'adresse aussi à vous, pas qu'à l'écran. Mmh. Et prochain événement, aux prochaines occasions. Et puis voilà, c'est un beau projet. C'est un beau projet qui va avoir plein d'évolutions. Le site est en ligne depuis une semaine. On va le remplir d'informations. On va créer cette plateforme dont on parlait tout à l'heure, qui va être une plateforme d'échange, une plateforme sur laquelle on va également uploader certainement la rediff de cet événement, et où les gens pourront demain ou après-demain ou dans un an continuer d'écrire des messages, de partager. Et on espère que cette communauté va se voir grandissante. N'hésitez pas à en parler autour de vous, aux personnes qui vous savez qui sont sensibles, ou même aux personnes qui sont tout simplement curieuses, comme je disais tout à l'heure. Vous sentez qu'il y a un désir, il y a une envie, et on tâchera vraiment de les inclure, de participer, d'écouter. En fait, c'est ça. Et moi, j'ai beaucoup apprécié cet événement parce qu'on s'est écouté. Et c'est de plus en plus rare aussi dans notre société, et je vous remercie vraiment pour ça. Bravo. Super. Merci à toi, Laura. Tu es une énergie pour moi indispensable là-dedans. Et merci à tous. Christophe, tu voulais dire un petit mot de... Ben oui, le mot de fin, au-delà des remerciements. Et on parle quand même de sujets qui sont sensibles, qui sont subtils, qui touchent plein de gens, mais qui ne sont pas toujours accessibles dans les discussions. Cette plateforme, elle est aussi là pour ça, pour donner la parole aux gens et de créer un espace où les gens puissent exprimer sur ces sujets, pouvoir être entendus et pour pouvoir être accueillis dans cette création de Bel Esprit. Merci beaucoup, Christophe. Wow, merci. Merci à tous. Merci à toutes. Allez, tout bon week-end à vous. Il va bientôt faire beau. À bientôt. Ciao.